bypass iCloud sur iOS 17. Alors actuellement les gars, c'est une dinguerie là. Hello, like, subscribe. Ce qui me plaît beaucoup dans ce que je fais, c'est que actuellement, tu ne peux pas tout maîtriser. Parce que chaque jour, quand on se réveille, mon frère, il y a toujours des mises à jour. Donc, c'est trop passionnant. En tout cas, dites-moi déjà si vous aimez ce que je fais dans les commentaires. Et aussi, laissez un like sur cette vidéo. Et si vous êtes nouveau, cliquez sur le bouton s'abonner et touchez la cloche de notification. Ici, je parle d'astuces sur Android, iOS et aussi sur PC. Pour tous ceux-là qui sont intéressés par une formation, actuellement, il y a deux formations. La formation en bypass iCloud et la formation en déblocage officiel. Ça marche sur tous les iPhones. Cliquez tout simplement sur le lien à la description de cette vidéo afin d'avoir accès à cette formation. En tout cas, tous les modes de paiement sont disponibles. Et si vous avez envie de payer par Mobile Money ou encore autre mode de paiement, alors écrivez-moi directement sur WhatsApp pour payer nos services. Et c'est aussi un moyen pour encourager la chaîne. Merci déjà, les gars. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que aujourd'hui sort la nouvelle version de iRemoval Pro. iRemoval Pro, c'est une application qui permet de faire le bypass iCloud pour les iPhones, les iPads et aussi les MacBooks. Donc aujourd'hui, là, il y a une nouvelle mise à jour qui est la version 2.0. La version 2.0 va permettre de faire les bypass iCloud pour les iOS 17. Donc actuellement, j'ai déjà apprêté mon iPhone 11. Aujourd'hui, il y aura la mise à jour de iRemoval Pro Premium. La version Premium, ça marche pour les iPhone XR jusqu'à iPhone 14 Pro Max. Quels sont les iPhones compatibles avec cette version? Donc les iPhones à partir de iPhone XR jusqu'à iPhone 13 Pro Max. Dans cette vidéo, je vais vous parler des nouveautés de cette application. Et vraiment, c'est une dinguerie parce que là, il y a deux annonces. Donc il y a déjà l'application Mina qui est sur Mac, Mina Premium. Donc ça, c'est une nouvelle application qui va nous permettre de faire le bypass iCloud à partir de iPhone XR jusqu'à iPhone 14 Pro Max. La différence entre les deux, c'est que l'un, ça marche sur Windows, qui est iRemoval Pro Premium, et le deuxième, Mina, ça marche uniquement sur macOS. Actuellement, il y a des changements. Donc, la première version de iRemoval Pro Premium, ça marchait de iPhone XR jusqu'à iPhone 14 Pro Max, version iOS 15 jusqu'à iOS 16.6.1. Mais actuellement, la nouvelle version qui est la version 2.0, ça marche uniquement pour les iPhone XR, mais là, ça n'arrive plus à 14 Pro Max, ça s'arrête à iPhone 13 Pro Max. Mais les iPhone 14 Pro Max peuvent être bypassés de iOS 15 jusqu'à iOS 16.6.1 uniquement. Là, c'est les nouvelles mises à jour qui seront disponibles sur le site. Donc, on attend tout simplement que le site soit mis à jour. En tout cas, dites-moi déjà ce que vous en pensez dans les commentaires et aussi dites-moi dans les commentaires quel iPhone vous voulez débloquer. Déjà, après le bypass, vous pourrez faire la mise à jour. Donc, même si vous avez un iPhone 14 Pro Max qui est bloqué sur iOS 15, alors vous pourrez faire la mise à jour et mettre à iOS 17, mais si vous réinitialisez le téléphone à iOS 17, vous ne pourrez plus faire le bypass parce que actuellement, ce n'est pas encore disponible avec cette nouvelle mise à jour. Donc, elle est déjà annoncée, elle sera disponible tout à l'heure. Et pour les iPhone 5S jusqu'à iPhone X, alors c'est possible déjà de faire le bypass iCloud avec l'application CheckM8 en utilisant le code promo SchoolKit237 ou encore l'application iRemove Tools en utilisant toujours le même code promo. En tout cas, si vous avez envie de faire le bypass iCloud pour les iPhone 5S jusqu'à iPhone X, alors cliquez sur la vidéo qui s'affiche là. Et si vous voulez faire le déblocage officiel qui marche sur tous les appareils Apple, alors cliquez sur la vidéo qui va s'afficher là et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci les amis.